Nicolas Sarkozy est élu nouveau président de la République avec 53% des voix. Près de 200 000 euros la semaine, c'est le prix de location du yacht où Nicolas Sarkozy est allé chercher un peu de repos. Embarqué sur un bateau blanc, plein de vedettes et de talents, de footballeurs en mini-short, un boat people en quelque sorte. Passation de pouvoir solennelle ce mercredi matin à Bercy. Attitude grave du ministre déchu, Jérôme Cahuzac ne mentionne pas l'enquête dont il est l'objet et se contente d'un passage de témoin amical à son successeur, Bernard Cazeneuve. Une fonction qu'il est obligé de quitter à cause de l'enquête ouverte pour blanchiment de fraude fiscale. J'aime trop le pognon, j'aime trop le pognon, j'aime trop le pognon. Une étrange affaire révélée par nos confrères de Mediapart. L'ex-ambassadeur de France en Irak et en Tunisie, Boris Boyon, a été interpellé par la douane il y a quelques semaines à Paris, gare du Nord, en possession de 380 000 euros en liquide. Je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Ah, je peux pas vous dire laquelle, j'ai traversé en courant. Mais lorsque j'y suis entré, je marchais normalement, n'est-ce pas ? Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde sans raison. Alors à un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur, et on lui dit, dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous ? Il me dit, parce qu'ils le sont. Il me dit, vous êtes dans une ville de fous ici. Il me dit, vous n'êtes pas au courant. Ah, j'ai dit, si, les bruits ont couru, ben, il me dit, ils courent toujours. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Il me dit, tout, il y en a qui courent plus pressés. Celui-ci court pour la gloire. Celui-là court à sa perte. Qu'est-ce qui fait marcher ta vie? Qu'est-ce qui fait marcher ta vie? Qu'est-ce qui fait marcher ta vie? Je dis, mais pourquoi courir si vite? Il me dit, pour gagner du temps. Comme le temps c'est de l'argent, plus il court vite, plus il en gagne. Mais je dis, où comptez-vous? Il me dit, à la banque. Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant et ils repartent au courant gagner d'autres. Plus. Je lui dis, mais où courez-vous là? Il me dit, je cours à la banque. J'ai pour y déposer votre argent. Il me dit non, pour le retirer, moi je suis pas fou. Alors je lui dis, si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Il me dit, parce que j'ai gagné l'argent fou, c'est moi le banquier. J'aime ma banque.